Voilà, nous avons ouvert le logiciel Best Practice, version 1.03 ici. Cette petite vidéo, juste pour vous montrer comment il fonctionne. Donc, on va ouvrir un fichier qu'on va aller chercher sur son disque dur. Donc ici, je vais prendre un fichier que j'ai préparé, les deux guitares. Voilà, clac, il est chargé et il se lance automatiquement. Alors, je vais mettre sur pause pour vous expliquer le fonctionnement. Donc ce fichier, on va le lancer et on va cliquer où on peut mettre le minutage du début de la boucle et ici le minutage de la fin de la boucle. Si on connaît ce minutage, c'est très bien. Si on ne le connaît pas, et bien à ce moment-là, on a un petit truc pour le trouver. Il suffit simplement de cliquer ici pour dire à quel moment on veut que la boucle commence. Ici pour dire à quel moment on veut que la boucle se termine. Donc je vais remettre le fichier et on va cliquer à deux endroits, vous allez voir. Voilà, j'ai bouclé à deux endroits, vous avez vu, à 9,67 et à 13,68 ici pour le début et la fin de ma boucle. Donc ensuite, pour pouvoir mettre en route la boucle, ici, je vois l'avancement de mon fichier, donc je vais me remettre un petit peu au départ. Là, vous voyez, là, je suis à la seconde 6. Voilà, j'enlève la pause. Voilà, là, c'est l'endroit où je suis. Et là, on passe au début. Et à 13. Ah, stop. J'ai oublié de cliquer sur boucler. C'est très bien, comme ça, vous voyez. Donc, il fallait que je clique sur boucle. Donc, je vais me remettre ici, voilà, à 9, par exemple, hein. Je vais me mettre en route. Et à 13, on va boucler. Vous voyez? On tourne en rond. Alors, si le paramétrage n'est pas très bon, on peut le modifier ici. Et on modifie un petit peu la fin ou le début de la boucle. Voilà, je vais arrêter pour vous montrer deux autres fonctions. Alors, il y a une fonction transposition. Donc là, tout simplement, ben, vous voyez, c'est affiché. On augmente de 2 demi-tons, 3 demi-tons, on diminue. Voilà, donc ça, c'est un peu plus simple. On peut affiner cette transposition en centièmes. Pour ma part, j'ai jamais eu besoin de cette option. Je suppose qu'avec des chanteurs, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Et puis, on peut modifier le tempo, donc la vitesse de reproduction. Vous voyez, là, je suis à 100,3%. Donc là... Là, je suis exactement à la vitesse de reproduction de mon disque. Cette vitesse de reproduction peut servir à deux choses. Évidemment, de ralentir pour pouvoir travailler doucement une boucle et puis l'accélérer progressivement. Ça peut servir aussi à bien caler ici le début et la fin, parce que lorsqu'on a une vitesse de reproduction plus faible, on va mieux entendre. Éventuellement, ça peut nous permettre d'affiner le calage. Voilà, donc vous avez transposition, reproduction, vitesse plutôt, et donc contrôle des boucles. Trois options que j'utilise volontiers avec ce petit logiciel téléchargeable gratuitement qui s'appelle Best Practice. Voilà.